fumes, toi, maintenant? T'es déjà rentré? Ouais, j'ai roulé vite. J'étais pressé de vous voir. Pourquoi tu m'emmènes pas au pic? Ah bah, si tu veux. Tiens, la prochaine fois, on ira tous ensemble. Comme ça, vous pourrez pique-niquer en bas. Je veux pas seulement regarder, je veux grimper aussi. C'est vrai? Ah bah, dans ce cas-là, il faut commencer du début. Le pic, c'est trop dangereux. Mais j'ai pas peur. Je sais bien que t'as pas peur. Il y a des risques inutiles, tu crois pas? Mon père, il prend tous les risques. Un jour, il a sauté par-dessus 5 voitures en flammes. Je l'ai vu à la télé. C'est vrai que ton père est très courageux. Il te manque beaucoup. T'es quand même pas trop mal avec nous, non? Je suis super bien, et puis il y a Thomas. C'est grâce à vous qu'on s'est décidé avec Françoise. On s'aime depuis longtemps avec ta maman, tu sais. Elle avait peur que tu sois fâchée. Tu parles, je m'en fous. Alors j'en ai d'abord parlé à Thomas, pour tester un peu. Et lui, il était très content de retrouver une maman. Et il a su quand, Thomas? Je lui en ai parlé avant Noël, je crois. Tu m'as manqué. Tu sais que ton fils veut grimper aussi? C'est le petit homme le plus courageux que j'ai connu. Après toi, bien sûr. Sale menteur! Tu savais que nos parents allaient se mettre ensemble et tu n'as rien dit! T'as trahi ton serment! Tu te souviens peut-être pas du serment, hein? Moi, cheval fougueux, je choisis tonnerre de feu pour être mon frère de sang! Rien ni personne pourra me séparer de lui, je partagerai tout avec lui! Allez, le serment! Il connaîtra tous mes secrets, je serai son miroir. T'as trahi, me parle plus jamais! C'est beau, non? Ce qui est beau, c'est toutes les couleurs qu'il y a dans la tête d'un enfant. Pour pas laisser la vie les effacer. Vous êtes la directrice? Oui, Catherine Aguilar. Bienvenue chez nous, monsieur Novak. Vous verrez, c'est très agréable. En tout cas, la région est magnifique. Voilà. Voilà le thé, Catherine. Et pour monsieur, une menthe à l'eau. Merci. Je vous ai mis une chambre au premier qui donne sur la rue, mais c'est la plus grande. Et c'est la seule qui a encore une moustiquaire. Pour vos bagages, vous voulez que je les monte ou vous les montez? Non, je vais les monter. Non, c'est pas qu'elles paraissent lourdes, mais les bouquins, ça pèse une tonne. Et puis, j'ai le cœur fatigué. Toi, ça te fait rire que je risque de m'escagasser dans les escaliers? Ben non, personne ne voudrait avoir une chose pareille. Ah, tu vois, le monsieur, il comprend, lui. Comment c'est votre nom? Victor. Victor. Moi, c'est Jean-Daniel. Enchanté. Ben celui-là, il me plaît. Ouais. C'est pas comme l'autre fada. L'autre fada, c'était monsieur Louvier? Oui. Jean-Daniel a ses têtes. Et il est têtu comme une mule. Ben, je suis content de lui plaire. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Ça va, toi? Ouais. Bonjour. 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 Bonjour.
Salut. Je te veux pas à côté de moi. Bon, c'est fini vos rangements, là? Alors, il ne reste pas beaucoup de temps d'ici la fin de l'année, et je sais que vous n'êtes pas en avance sur le programme. Donc, tout le monde a envie de travailler? Non? Oui. On va quand même préparer la fête de fin d'année? Oh, ben, bien sûr. Et on fait toujours une fête indienne? Oh non, alors nous, on en a marre. C'est parce que t'es qu'un trouillard. C'est pas vrai, d'abord, c'est pas toi qui décides. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de parler des Indiens d'Amérique. Comment ils vivaient avant? Comment ils vivent maintenant? C'est vrai qu'on les a mis dans des réserves? Eh oui, c'est vrai, malheureusement. Mais pourquoi? Parce que la différence, ça fait peur. Même maintenant. C'est-à-dire que ceux qui sont moins nombreux ou un peu plus faibles... Eh bien, ils subissent toujours la loi des autres. Eh oui. Pourquoi les enfants des cow-boys ne s'amusaient pas avec les enfants des Indiens? Ah oui, mais les parents ne leur ont pas appris à s'aimer. C'était nul là-bas. En France aussi, ça existe. C'est quand on est un petit peu différent, des fois on n'est pas très bien vu. Lâche ou courageux, ça fait une différence. Mais moi, j'aime pas les lâches. Eh ben méfie-toi, parce qu'il y a des lâches qui sont bien plus courageux que des gars qui roulent leur mécanique. On se retrouve au camp dans une heure. Ça fait court. Débrouille-toi. Tu sais ce que t'as à faire? Faites les enfants. On est venu chercher une boîte. C'est pour les trésors qu'on doit ramener aux Shirikawa. C'est qui les Shirikawa? Ben c'est nous. Il y a Paul, Julien, Lila et Jérôme. Jérôme et moi on est chefs tous les deux. Regardez, on a tous le même. Oh c'est joli hein. Moi je suis pas encore guerrier chasseur. C'est plus dur parce que c'est une fille. Et alors c'est très embêtant de pas être guerrier chasseur? Ben quand même, oui, moi j'en ai marre de faire le ménage dans le camp tout le temps. En plus, elle n'en est qu'à sa première épreuve. Il y en a encore deux autres, de plus en plus dures. Après, elle pourra devenir frère de... Non, sœur de sang. C'est quand la prochaine épreuve? On peut pas vous le dire, c'est un secret. Pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça, Louvier? Disons que ça se passait plutôt mal depuis un moment. Il avait mis au point un projet avec sa classe sur le thème des Indiens. Ils ont même construit un camp en forêt. C'est une bonne idée, non? Oui, mais... il a détourné. Il profitait de ses moments de liberté pour organiser des épreuves avec les mômes. Il voulait les aguerrir, en faire des hommes. Enfin, des trucs de fous. La peur était interdite. Heureusement, après le départ de Louvier, ça s'est calmé. Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il a démissionné, Louvier? Tu vois la petite maison, là? C'est chez moi. Courage.
pas mettre un rat dans la boîte à trésors. Si, c'est un trophée. Ben non, il a raison, ça va puer. Je peux être guerre chasseur maintenant? Tu sais très bien que tu as encore deux autres épreuves. Et moi, j'ai ça. C'est à mon père, mais il en a plein. Et nous, on n'avait pas encore qu'à allumer de la paix. Dis-le que tu as eu peur. D'accord, mais j'ai peur. C'est lui qui avait le plus dur à faire quand même. Toi, tu pourras parler quand tu seras guerrier chasseur, pas avant. La prochaine fois, j'en prendrai une. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ta langue est fourchue et ton cœur est noir. Tu n'es plus digne d'être à Shirikawa. Ça, c'est seulement quand on a trahi son frère de sang, pas quand on a manqué une épreuve. Dis-leur. Dis-leur à tous. Tu croyais que je saurais jamais, hein? Mais quoi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trahi, j'ai menti à mon frère de sang. Et seule la plus grande des épreuves pourrait effacer la tâche. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Et après? Après, il est parti tout seul. T'as pas eu envie de t'en mêler? Non, c'était pas possible. Déjà que Thomas passe pour un traître, alors si en plus un grand prend sa défense... C'est drôle, tu sais que tu t'inquiètes. C'est qu'un jeu, après tout. Je crois pas entre Thomas et Jérôme. Il y avait quelque chose de violent entre eux, comme s'ils étaient obligés d'agir comme ça. Bon, t'as peut-être raison, Marc. T'as pas une vieille bande dessinée en noir et blanc ici qui leur sert de référence? Non. C'est Louvier qui leur en a fait cadeau. Oh, celui-là, je lui en veux. Hein. Je suis bien content qu'il ait quitté le métier. Non seulement il leur a pourri la tête, mais en plus il a réduit la beauté d'un peuple à une bande dessinée carrément nulle. Tu vas faire pipi. T'as pas encore prouvé ton courage, tu fais rien sans mon autorisation. Alors vas-y, dis-moi ce que tu veux. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé. Allez, laisse-moi descendre. Appelle ton père au secours. Thomas, tu joues pas aujourd'hui? J'ai pas envie. Parce que d'habitude, t'es toujours avec les quatre autres. Les Indiens, comment tu les appelles? Shirikawa. Shirikawa, c'est ça. Ah, mais t'as enlevé ton bracelet, dis donc. Oui. C'est une marque blanche. Je l'ai pas enlevé, je l'ai perdu et j'ai pas envie de parler avec vous.
Qu'est-ce qu'il voulait? Je crois que tu me parlais plus. Je veux savoir ce que tu lui as dit. Je lui ai rien dit, je te dis. Si tu vas te plaindre, ça sera encore pire. C'est fou comme ils sont cruels entre eux. Mais c'est dangereux, leur petit jeu, même pour plus tard. Tu dramatises un peu, non? Non. Ce sont deux mômes qui sont en train d'apprendre à vivre dans la même maison, c'est tout. Comment ça? Depuis peu, la mère de Jérôme vit avec le père de Thomas. Françoise Mercier est divorcée ou séparée. Et la maman de Thomas est morte quand il avait 2 ou 3 ans, je crois. Ah, moi, je savais pas. La moitié des enfants d'aujourd'hui vivent comme ça. Ben, eux, ils le vivent mal. Hein. Thomas, les pierres sont mal scellées, tu vas te casser la figure. Allez, viens, si tu veux t'exercer, utilise le mur des petits du camion, hein, madame? Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui va pas? Rien du tout, j'en ai marre que tu sois toujours après moi. Bon, allez, viens. Alors quoi, qu'est-ce qui se passe? On est plus copains, toi et moi? On se dit plus tout? Quand je suis content que j'ai des soucis, je te le dis, non? Je veux pas que tu me le dis, je veux rien savoir du tout. Dis donc que t'es pas gentil, hein. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Tu t'en fous, t'es tout le temps avec Françoise. D'abord, c'est pas vrai, et ensuite, je pensais que ça te faisait plaisir de nous voir tous les deux. À toi et à Jérôme aussi. Tu parles. Jérôme, vous lui avez même rien demandé. Parce que c'est pas Jérôme qui décide qui sa maman doit aimer ou pas. Thomas! Thomas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as grondé? Mais non, il s'est énervé tout seul, je comprends pas. Il est sans doute contrarié parce qu'il a fait pipi au lit. Il a quoi? Bah, c'est sans doute un accident. Ça lui était jamais arrivé avant? Mais non. Je sais pas ce qu'il a, lui, en ce moment, mais... Il a l'air tracassé? Non. Enfin, si. Jérôme a reçu une lettre de son père. Ah. Je sais pas quoi faire. Pourquoi? D'habitude, tu lui donnes, non? Oui, mais là, elle vient d'Avignon. Ça veut dire qu'il est là? En tout cas, qu'il y est venu. J'ai peur que ça perturbe Jérôme. Il admire tellement Noël que je... Et qui la faute? Tu lui as rebattu les oreilles avec les exploits de son père. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je voudrais qu'il t'admire, toi. Et ça te fait quoi de le savoir si près? À moi, rien. Ne me dis pas que t'es encore jaloux. T'as appelé ça de la jalousie sans raison. Embrasse-moi, idiot sans raison. Ça grimpe. Bonjour. Bonjour. Je suis Victor Novak, l'instituteur remplaçant. C'est où? Je connais toutes les prises par cœur. Je viens m'entraîner ici tous les jours. Dès que vous avez une minute, vous venez là? Quasiment, ouais. Puis j'ai la chance de pouvoir allier mon boulot à ma passion. Moi aussi, mais c'est moins dangereux. C'est quoi votre boulot? J'organise des stages d'escalade dans les écoles. Je me balade un peu partout avec un camion équipé. Comme je suis le seul en France à faire ça, j'ai pas mal de demandes. Vous êtes déjà allé dans l'école de Thomas? Non, 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 ça s'est jamais trouvé. Bon, on va organiser ça, ça lui fera plaisir. Bon, j'en suis pas sûr, je crois pas qu'il aime grimper. Mais bon, peut-être que de voir les autres faire, ça lui donnera envie. C'est à cause de Thomas que vous êtes monté ici? Oui. Oui, parce qu'on fait un peu le même métier tous les deux, on apprend aux enfants à apprendre leur marque. Ouais, et jamais prendre la vie par la face nord. Hein. C'est ça, ouais.
Il y avait une bonne équipe, c'était Jérôme et Thomas, et puis... j'ai l'impression que Thomas est en train de dévisser dans sa tête, et Jérôme l'aide pas du tout. Au contraire. Je crois surtout que c'est à moi que Thomas en veut en ce moment. Je l'ai beaucoup couvé depuis la mort de sa mère. J'ai l'impression que maintenant, il me fait une petite crise d'indépendance. Une jalousie passagère. Moi, je crois que Jérôme se sent trahi par Thomas et il lui fait payer. Jérôme ? Toujours le premier à prendre sa défense. C'est encore leurs histoires d'Indiens, non ? Ils nous auront du fou il y a un mois avec ça. Ah, ça, ils y jouent aux Indiens encore. Et d'une manière inquiétante. Alors, ça s'est bien passé à l'école? Oui. Walter est parti en stage? Ah non, il est parti grimper un peu. Plus de long voyage jusqu'à la fin de l'année, c'est bien, non? Dis, Jérôme. Est-ce que Thomas a quelque chose qui ne va pas? Il t'a dit quoi? Rien. Seulement, tu vois, il est comme mon fils. Maintenant, alors, je m'inquiète un petit peu. C'est parce qu'il a fait pipi au lit? Ah, t'es au courant? Évidemment, on est frères. Alors on se dit tout. Et puis c'est de ma faute, on a fait un pari idiot et on a bu un litre de coca, on devait tenir jusqu'au matin. Eh bien c'est vraiment complètement imbécile. Excuse-moi maman, mais c'est mieux que tu lui en parles pas. Je crois qu'il a un peu honte. Bon d'accord. Ah, j'ai failli une lettre de ton père, je l'ai mise sur ton lit. Oh merci maman. Donne-moi ça. Dégage. Pourquoi? C'est ma chambre aussi. J'ai pas faim. Bon, maintenant, ça suffit, Thomas. Si t'as un problème, t'en parles, mais t'arrêtes ton cinéma. Tu restes à table, on n'a pas fini de souper. Mais j'ai pas faim! On a mangé plein de gâteaux à 4 heures. Ouais, t'es gentil de défendre ton frère, mais je trouve qu'il devient un petit peu capricieux. C'est pas comme ça que je t'ai élevé. Hein. Prends-en juste un peu si ça passe pas. Vous savez quoi, Walter, une grande nouvelle? J'ai vu votre nouvel instit aujourd'hui. Je vais sans doute venir à l'école avec le camion. Pour faire de l'escalade? On fera d'abord une journée d'initiation, après on verra. C'est bien, non? Drôlement bien. Mon salaire, papa dit qu'il va partir au Brésil pour faire un film. Ah bon? Il est venu à Avignon, non? Oui, mais il est pas resté longtemps. Et il dit qu'on se verra peut-être la prochaine fois. Je peux sortir de table maintenant, papa? Moi aussi? Si vous voulez, ouais. Ne prends plus jamais ma défense. Alors, comment c'était? Mangeable? Bon, vous cassez pas la tête, ça me va. Vous dites ça pour me faire plaisir? Non, non, pas du tout. Ben, je suis seul client, là. Ouais. Ah, mais c'est surtout l'été qui réapplique. Les touristes.
Mais Louvier, il a habité ici, il a logé là? Ouais, au début. Parce qu'alors après, il a emporté son barda chez Catherine. Ah, je savais pas. Ah bon? Non. Je comprendrai jamais rien aux femmes, moi. Comment? Belle comme elle est, aller s'enticher d'un type pareil. Un beau pareil, tu sais. Ah, il mettait tout le monde dans sa poche. Mais enfin, elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait, quand même. Alors là, j'en doute. Enfin, maintenant, il a pris ses clics et ses craques. Et vous? Comment vous la trouvez, vous, comme femme? Ah ben moi, je la trouve très bien, mais... j'ai pas envie de me caser, elle non plus, je crois. Moi, je me demande ce que vous avez tous les jeunes aujourd'hui à vouloir vivre tout seul. Eh? Moi, je la regrette tous les jours, ma pauvre femme. Bon, allez, je vais me coucher, là. Bonne nuit. Eh, bonne nuit. Dégage! T'as envie d'aller capter à ton père? Dégage, c'est ma place. Qu'est-ce qui se passe ici, Loïc? C'est ma place, il a qu'à aller avec les autres, ils veulent pas de nous, ben moi non plus. Et vous commencez à m'agacer, hein, avec vos histoires de clans. Si vous êtes pas capable de vous entendre, je vais vous placer, moi. De toute façon, Thomas, c'est le chouchou. Même que son père va venir à l'école. Mais non, c'est pas le chouchou. Si son père vient à l'école, c'est pour vous apprendre quelque chose. Alors si ça vous plaît pas, on annule. Qui est-ce qui a envie de faire de l'escalade? Moi! Assieds-toi. Mange avec nous, Loïc. C'est vrai? T'as peut-être le temps de t'entraîner un peu, mon Viette. Ah, ça sent bon. Ce qu'on appelle les herbes de Provence. Je suis sûr que Jean-Daniel, il sait même pas ce que c'est. Mais il t'aime beaucoup, hein. Oui, ça le rend même un peu lourd parfois. Sous prétexte qu'il m'a connue gamine, il pense qu'il a son mot à dire sur tout. C'est son petit côté entremetteur. Si ton père te voyait, ça le ferait rigoler, hein. Je peux plus redescendre. Je vais tomber. D'où tu sors, toi? Où il est, Thomas? Ben justement, je venais vous chercher. Il est là. Allez, arrête de faire le singe, descends de là, toi. Thomas, pourquoi tu pleures? Je peux pas redescendre. Je vais lâcher, c'est sûr. Je vais lâcher. Attends, bouge pas, Jérôme, ouvre-moi. Jérôme! Voilà, là, tu risques rien. Tiens, je tiens la corde, tu sens? Tu sens, elle bouge. Tu peux pas tomber, là, vas-y. Descends tes pieds, mets tes pieds sur les nœuds. Là, tout doucement. Laisse, fais glisser tes mains. Voilà, c'est bien. Tout doucement. Descends tes pieds, tout doucement. Pose tes pieds sur les nœuds. Fais glisser tes mains, là. Voilà, tu crains rien. Vas-y. Voilà, il n'y a pas de danger, il y a les tapis en dessous. Vas-y. Doucement.
Doucement, voilà. Là, il n'y a pas de danger. Mais vas-y, descends. Oh, allez, viens, va. Mais pourquoi est-ce que tu te mets dans des situations pareilles? C'est Jérôme qui t'a dit de faire ça? Non, non, c'est moi tout seul. Mais il faudra le dire à personne. Hein. D'accord, je dis rien à personne, mais tu recommences pas. Allez, viens. Ça va aller? Oh, le chouchou! 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 Il va pas mal, non? Parce qu'il a les cartes. Ah, oui. Le demain, oui, comme pas. Le premier tour, il faut pas. Tu travailles dehors? Oh, je t'avais pas entendu venir. Assieds-toi. Non, non, je veux pas te déranger. Je terminerai ce soir, ça m'occupera. Ma vie est un désert. Oh. C'est fait? Alors quoi, t'as la trouille? Ça t'arrive de te poser des questions, de te dire qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai raté mes choix? Tu veux dire de me réveiller un matin et de me dire que je me suis plantée? Ouais. Oui, peut-être. En comptant mes rides devant la glace. Mais les rides, c'est pas grave, ça. Ce qui est embêtant, c'est que ce soit la glace qui les voit. Et pas quelqu'un qui vieillirait en même temps que toi. Je suis bien comme ça. J'ai pas besoin de vivre avec quelqu'un. J'ai besoin de me sentir libre. Ah oui, mais la liberté, avec le temps, ça finit par ressembler à de la solitude. C'est pour moi ou c'est pour toi que tu dis ça? Non, je dis ça comme ça. La classe, oui, mais j'ai encore à faire. Eh ben moi, ce petit geste m'a fait du bien. Et moi, je peux pas fumer? Quand tu auras passé l'épreuve des guerriers. T'as rien à faire là. C'est vrai. T'es plus à Shirikawa. Maintenant, si. Mais je suis pas le chouchou non plus. Je suis entrée dans la chambre d'Instit et j'ai pris ça. T'as volé des sous?
J'ai fait un acte de courage. Et si t'avais vu? J'ai marché comme un indien, et puis j'ai fait drôlement vite. Alors, je peux revenir? Faut qu'on vote. Qui est pour que Thomas redevienne un Shirikawa? Si je trahis mon frère, je perdrai sa confiance à jamais. Seule la plus grande des épreuves pourra effacer la tâche, et seul mon frère de sang pourra me l'infliger. Entrer dans la chambre de l'instit, c'est rien du tout. T'as cru que ça serait si facile? C'est un vrai mec, cette fille. Lila! Lila! Mais comment t'as fait ça? C'est incroyable! Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous l'avez laissée attachée toute seule. C'était pour rire. Mais c'est pas drôle. J'appelle pas ça jouer aux Indiens, moi. Vous vous conduisez comme des sauvages. Y a pas de quoi être fier, hein. J'ai pris des livres à la bibliothèque, vous allez les lire et me faire un résumé, et vous verrez que c'est un peuple qui peut être pacifique et plein de poésie aussi. Ça, je le garde. Ça, c'est un très mauvais exemple. Bon, allez, c'est fini le jeu pour aujourd'hui, on rentre. Et Thomas, il était avec vous? Jérôme, il était avec vous, Thomas? Ramener. Elle doit rester au camp. La cité est venue, on a tous eu la trouille qui regarde dedans. Je vais aller remettre l'argent. Non, je le garde. Non, non, pas aujourd'hui. Non, on va essayer d'abord d'apprendre à servir du matériel. Ça, par exemple, c'est un baudrier. Ça sert de sécurité. On passe la corde à l'intérieur. Comme ça, si on glisse, on est retenu. Faut être souple, non? Ah oui. Et avoir une bonne connaissance de son corps, surtout. Ensuite, il faut pas trop présumer de ses forces et essayer de maîtriser sa peur. Alors, on va commencer par les prises rouges. Ce sont les plus faciles parce qu'elles sont les plus rapprochées. Quelqu'un se jette à l'eau? Vas-y, Thomas. Tu m'avais dit que t'avais envie. C'est vrai? Non, mais Thomas et Jérôme, c'est pas la peine. Vous pouvez apprendre à la maison. C'est mieux si quelqu'un d'autre essaie. Ben, allez-y, vous, monsieur. Ouais, comme Spider-Man. Non, moi, j'aurais l'air d'un gros hanneton là-dessus, là. Et puis, je ne suis pas assez souple. Aussi! Bon, les rouges, vous avez dit? Allez. Et passez-moi un baudrier. Il faut que j'aille jusqu'en haut? Oui! Oui, bah rigolez pas parce que ça va être votre tour tout à l'heure. Hein. Allez. Wow. Wow. Oh là là! Ah ouais! Wow.
en haut. Ben moi, j'ai eu mal aux mains. Ben moi, j'avais tout le temps peur de lâcher. Tu parles, il n'y a presque pas de place pour la chaussure. On le refera, monsieur ? Si vous voulez, oui, c'était un peu court, je crois. Tout le monde n'a pas eu le temps d'essayer. C'est vrai que ton père l'escalade, le pic ? Il est vachement courageux, dis donc. Tu parles, il n'y a même pas de risque, il est attaché. Les vrais escaladeurs, ils montent juste avec les mains. S'ils tombent, ils se tuent. C'est ça, le courage. Bon, c'est intéressant ce que tu dis, Jérôme, mais c'est pas forcément vrai. C'est quoi, le courage, pour vous ? C'est pas avoir peur. Alors, par exemple ? Ben, hier, il y avait un film à la télé. Le ninja, il se battait contre 15 bonhommes. Ah ouais, je l'ai vu, même qu'il sautait par-dessus un précipice. Et quand il avait un prisonnier, il n'avait pas peur de mourir. Enfin, ça, c'est le courage qu'on voit dans les films, hein. Ou dans les livres. Dans la vie de tous les jours, c'est pas la même chose. D'abord, on se bagarre pas sans arrêt. Et puis, des fois, on a peur. Moi, je suis une fille, mais je me bats pas. Les filles, elles ont peur de tout. Oui, mais c'est courageux quand même. Elle a raison, Lila. Il faut du courage pour mettre un enfant au monde. Et pour l'élever après. Et puis, pour avouer qu'on a peur, des fois, ben, il faut être courageux quand même. Non ? Alors, vous allez bien réfléchir à tout ce qu'on a dit. Et puis, vous allez me faire une rédaction en cherchant des exemples de courage dans la vie de tous les jours, d'accord ? On peut mettre des choses que fait son père ? Oui, oui, bien sûr. Puisqu'on parle de courage, il y a une chose qui m'ennuie, dont j'aimerais vous parler. Hier après-midi, quelqu'un est entré dans ma chambre. Un enfant ? Oui, alors j'aimerais bien que celui ou celle qui est venu me prendre quelque chose vienne m'en parler. C'est tout, il n'y aura pas de punition. Vous pouvez sortir. Tu vas aller te dénoncer ? C'est ça que tu veux ? T'aimerais bien, mais c'est trop facile. Tu fais ton devoir sur le courage ? Oui. Tu racontes comment t'as eu le courage de monter à la corde l'autre jour. La prochaine fois, fais comme ton père. Attache-toi bien comme il faut. T'en as pas marre, toi. C'est pas vrai que les Indiens ne pardonnent jamais. Je l'ai lu dans le livre de l'Instit. Allez, quoi, on arrête ? T'as peur de ce qui va arriver ? Non. Tu viens, on va être en retard. C'est ton père que t'as appelé ? Je le sais bien que c'est lui. Fous-moi la paix, c'est de ta faute ! Si mon père veut plus me voir, c'est parce que ma mère, elle est plus toute seule. Si tu me l'avais dit, je l'aurais empêché. Et ton père, c'est un con. En tout cas, lui, il s'occupe de moi. Il oublie pas mon anniversaire, il me laisse pas tomber comme une vieille chaussette. Je le tiens, il s'en fiche pas mal de toi et de ta mère aussi. C'est pas vrai, il va venir. Ma mère, elle retournera avec lui. Il viendra pas parce qu'il vient jamais. C'est lui qui est un con. Eh ben vas-y, moi je tape pas sur mon frère de sang. C'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Vous avez trouvé des bons exemples de courage dans la vie de tous les jours. Les filles. Bon, bah, les filles, c'est bien. Tiens. Tiens. Et toi, est-ce que tu penses qu'il faut beaucoup de courage pour se lever tous les jours à 7h du matin ? J'avais pas trop d'idées. Non, mais c'est très bien écrit. T'as une bonne note, de toute manière. Voyez, entrez. Vous êtes en retard tous les deux, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Je suis tombée. T'es tombée sur l'œil ? Il est tombé ? Il a glissé. Allez vous asseoir tous les deux. Toi, c'est très bien. Toi, bah, il faut juste faire attention à l'orthographe, mais sinon c'est intéressant. Tu l'as inventé ou c'est vrai que ton père est cascadeur ? C'est vrai, il a fait plein de films. Même dans un, il est suspendu à un hélicoptère. Les acteurs, ils ont peur, alors il les remplace par toutes les choses dangereuses. Je pourrais vous amener des photos si vous me croyez pas. Si, si, je te crois. Mais tu peux quand même apporter des photos. Et même, il pourrait venir, mon père. Il habite à Avignon maintenant. C'est pas loin. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, entrez. Monsieur, c'est la maîtresse. Elle est malade. J'arrive, tiens, distribue ça. Et tenez-vous tranquille.
Ça va? Tu veux t'asseoir un peu, non? Non, non, c'est passé. Mais t'es toute pâle. C'est juste un petit malaise. C'était vraiment pas la peine de te déranger. Ça t'arrive souvent? Non, ça doit être la chaleur ou... je sais pas. Je t'assure, ça va bien. Bon, mais si ça recommence, tu m'envoies ta classe et tu vas te reposer, hein? C'est génial d'avoir un père cascadeur. Et ton père, il en fait des cascades en voiture? Tu parles, et à cheval aussi. Quand il viendra, il pourra monter le mur d'escalade d'une seule main. C'est de la gnognotte pour lui, et le pic aussi. Bon, allez les enfants. La récréation est terminée, tout le monde à sa place. J'ai pas vu ta rédaction, Thomas. Je l'ai pas faite. Pourquoi? Ça serait bien qu'on parle un peu tous les deux, hein, après la classe. Bien sûr, vous avez tout, vous savez. Oh, c'est pas grave. Personne pour me gronder. Vous avez pas de femme? Ben, tu sais, pour moi aussi, c'est compliqué. Enfin, quand on a des soucis, c'est mieux d'en parler. Non? Toi, tu veux rien dire, mais je vois bien que t'es malheureux. Plus t'es persuadé que t'as trahi Jérôme. Je l'ai trahi, c'est vrai. Ben, au début, c'était bien, le jeu des frères de sang, mais maintenant... maintenant, vous vous faites du mal, vous vous battez, alors c'est pas beau. Comment vous savez tout ça? Ah. C'est pas si grave ce que t'as fait à Jérôme, quand même. Si. Tu veux pas m'en parler? On peut essayer d'arranger les choses tous les deux. T'as pas confiance en moi, c'est ça? Je suis plus les cafetards. Monsieur, c'est moi qui ai pris vos sous. Pourquoi? Je peux pas le dire. Bonjour. Ça, c'est... 4,50. 4,50, voilà, il y a le compte. Merci. Merci. C'est une montre qu'il a achetée, le petit Jérôme? Oui. Bah, il a dû casser la tirelire, hein. Il a pris la plus chère. Merci. De rien. Au revoir. Voilà. Tu fais du stop, toi? Non, non, c'était pour m'amuser. C'est pas la direction de ta maison, ça. Où est-ce que tu vas? Je vais voir mon père à Avignon. À Avignon, il y a 60 km. Et il t'attend, ton père? Il a pas le temps de venir, alors... Alors tu t'es dit que t'allais y aller toi-même? Il y a longtemps que tu l'as pas vu.
4 ans, et c'est parce qu'il peut pas. Oui, bien sûr. Ta mère, elle le sait que tu fais du stop comme ça au bord de la route? C'est peut-être pas une très bonne idée, hein? Ça peut être dangereux. Et puis si ton père, il est pas là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Mais moi, j'ai envie de le voir et ma mère, elle voudra pas. Je vais lui parler à ta mère. Là. Allez, viens, je te raccompagne. Et Walter, il le saura? Et Walter, il comprendra ça, évidemment. Monte, j'ai un casque dans ma sacoche. Ça, il est toujours à Avignon. Jérôme m'a dit qu'il tournait un film au Brésil. Non, non. Vous ne voulez pas qu'il voit son père? Mais non, pas du tout, non. Alors, il faut l'appeler, il faut organiser une rencontre. Noël se fiche complètement de son fils. Et il n'y a pas pensé une seconde quand il est parti. Françoise a beaucoup souffert à cause de lui. Je crois qu'elle n'a pas très envie de le revoir. Je comprends, mais c'est important pour Jérôme. Et pour Thomas aussi. Qu'est-ce que Thomas a à voir là-dedans? Thomas savait que vous alliez vivre ensemble, mais pas Jérôme. J'en ai parlé, oui. Oui, en lui demandant de ne rien dire. Oui, c'est vrai, alors. Alors il n'a rien dit, malgré leur serment de frère de sang, tu connaîtras toutes mes pensées, je serai ton miroir, etc. Craignez beaucoup plus la réaction de Jérôme que celle de Thomas. Peut-être parce que la maman de Thomas est morte quand il était très jeune. Alors j'en ai d'abord parlé à mon fils, c'est vrai, oui. Et puis si Jérôme en avait voulu, je l'aurais remarqué. Pas forcément, non. Si, Françoise connaît son fils par cœur, elle l'a élevé seule. Et justement, c'était plus facile pour lui de faire porter le poids de la trahison sur son copain plutôt que sur sa maman. On va leur parler à tous les deux. Vous risquez de braquer Jérôme. Sauf s'il se rend compte qu'il n'y a plus d'amour entre son père et vous, auquel cas il pardonnera à Thomas. Attendez, vous n'avez pas compris. On ne peut plus entendre parler du passé, nous. Que vous le vouliez ou non, Jérôme a un père. Est-ce que vous accepteriez de le conduire à Avignon? Bien sûr. Monsieur Mercier, s'il vous plaît. Oui. Noël, c'est pour toi. Ouais, ouais. Excusez-moi, c'est l'heure du repas. Bonjour. Bonjour. Si c'est pour la moto, le garage n'ouvre que lundi. Hein. Ah non, non, la moto, elle tourne parfaitement. Ouais. Bah, c'est increvable, ça. Increvable, et je roule beaucoup. Hein. Non, je suis l'instituteur de Jérôme. Là-haut, à Valréas? Ouais. Je l'ai ramassé sur la route, tu voulais venir ici en stop. Ah bon? Pourtant, j'ai eu au téléphone ce matin. Ben, je crois qu'il a très envie de vous voir, et comme vous n'avez pas eu le temps de faire un saut, ben... Ça, c'est vrai qu'avec l'ouverture, mais... En plus, il m'a pris un peu de coup. Hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de le voir. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu plus compliqué.
J'ai dit à ma femme que j'avais eu un gosse avant, mais pas qu'il habitait à côté avec sa mère. Et alors ça pose un problème, ça? Disons que j'aurais aimé lui en parler avant. En fait, je savais pas comment m'y prendre. Finalement, je ne connais pas, le petit. Mais il vous connaît pas non plus, hein? En fait, il vous imagine un peu comme les acteurs que vous doublez. C'est marrant, les gosses, comme ça peut se faire du cinéma. On est bien loin de la réalité. Non, non, j'ai raccroché. J'ai eu envie d'être peinard, de réussir ce que j'avais raté avec Françoise. Une vraie vie de famille. Ben, c'est ça qu'il faut lui dire. Et puis, il faut lui montrer, comme ça. Il comprendra que vous n'êtes pas un surhomme. Pourquoi je lui casserai son rêve? Parce que c'est le moment pour Jérôme d'accepter l'homme qui vit avec sa mère. Ouais. En fait, j'ai la trouille d'aller le voir. Et comment je vais faire pour lui parler? On est des étrangers. Bon, y a bien une petite place pour lui, allez. Bien sûr qu'il me trotte souvent dans la tête. Et je croyais que je lui ferais plus de mal, que finalement c'était mieux d'être une image comme ça, dont il pouvait être fier, tout simplement. Il est malheureux, monsieur Mercier. De toute façon, un jour ou l'autre, faut bien payer l'addition de toutes ces conneries. Et pourquoi ils s'appelaient les Indiens? Au début, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, il a cru que c'était les Indes. Alors, il appelait les gens qui avaient vu là-bas des Indiens. Et quelqu'un sait comment on les appelle maintenant? Les natifs américains. Voilà, natifs américains, ça veut dire que c'était les premiers à être nés sur la terre d'Amérique. Et après, on leur a pris leur terre. Les Blancs ont dit qu'ils étaient des sauvages parce qu'ils avaient plein de dieux. Il y en avait pour faire tomber la pluie, pour trouver du gibier à la chasse. Et tu connais les noms? Oui, il y a... Mais si, on a souligné en vert. Ah oui, la danse du soleil, le chant des quatre vents, la danse du serpent du village. C'est bien, je suis content. Vous avez fait un bel exposé. On peut garder les livres encore un peu? Oui, j'irai à la bibliothèque. Et toi, Lila, tu veux toujours être guerrier chasseur? Ah ben non, alors. C'est quoi? Oh, c'est un jeu qui est pas très marrant. Vous pouvez sortir. On pourra faire une danse pour la fête de l'école. Une danse indienne? Oui. Oui, c'est une bonne idée, c'est rigolo. On y pensera. Hé, dis-moi. Ça te dirait de venir avec moi à Avignon demain? Ta mère est d'accord et Walter aussi. T'es toujours aussi fâché avec Thomas? C'est lui qui vous l'a dit? Non, c'est pas lui, c'est moi qui ai deviné. Et je sais aussi pourquoi. On devait tous dire, on avait juré. Je sais. Maintenant, on peut plus jamais être mon frère. Je peux te poser une question, moi? Bon. Imagine que ta mère t'ait confié un secret très important. Elle t'a demandé d'en parler à personne, même pas à ton meilleur ami. Qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais été embêté. T'aurais été malheureux, mais t'aurais rien dit. M'en aller? Oui. En fait, je voulais vous dire, c'est moi qui ai pris vos soins. Allez, sauve-toi, Phil. Je passe te prendre demain. Et tes petits Indiens, ça s'arrange? Ça va aller, oui. En fait, ils se partagent tous les deux la responsabilité de la même bêtise. Ah bon? Et qui couvre qui? Jérôme, je crois. Il s'est construit un mur autour de lui, mais ça commence à se lézarder. Il est dur, ce monde. Je crois qu'il est blessé. Tu crois que c'est parce qu'il a vécu seul avec sa mère qu'il est difficile? On demande beaucoup trop aux enfants. On s'aime plus, on se quitte. On aime quelqu'un d'autre. C'est trop compliqué pour eux. Sauf si on trouve les mots justes pour leur expliquer, mais... J'attends un enfant de Louvier. Tu l'as voulu sans père? Oui. De toute façon, Paul a fait sa valise dès qu'il a su. Je t'écoute parler de Jérôme et de Françoise et... je me pose des questions, je ne sais plus très bien. J'ai fait une bêtise, non? C'est ta vie, je peux pas répondre à ça.
Oui, bien sûr. Et c'est mon choix. C'est peut-être difficile à comprendre pour un homme. Mais pour une femme, un jour, il est trop tard. Tu vois, toi, si tu décides, même à 50 ans, c'est possible. J'ai une petite fille, moi. Pourquoi est-ce que tu ne parles jamais de toi ? Les enfants sont rentrés ? Ouais, Thomas, un petit peu avant Jérôme. Il m'a demandé des photos du pic pour un exposé. Ça avait l'air d'aller ? Écoute, c'est Jérôme qui m'a demandé où était Thomas. Plutôt bon signe, non ? Dis, on est une famille, hein ? Une vraie ? Mais oui. Ça va aller ? Je vais aller voir mon père. C'est pour quoi faire ça? Tu verras bien. Demain, je serai redevenu ton frère ou alors tu me verras plus. Arrête. Ouais. Laisse tomber, je m'en fous maintenant. Ça se trouve, demain, je partirai avec mon père et ma mère viendra avec nous. Et ça? Je sais rien, moi, au Brésil. De toute façon, c'est trop tard. Un pacte, c'est un pacte. Tu pourras pas! Comment? Ah, j'ai dit si c'est pas malheureux. Non, mais c'est vrai, quoi. Cet après-midi, vous aviez l'air de bien vous entendre avec Catherine, non? Et puis, au lieu de passer une soirée ensemble, je sais pas, moi, de l'amener dans un bon restaurant ou manger n'importe quoi ici. Et vous restez à lire ce machin. Ah, ça vous fait rire? Ben, oui, oui. Oui, parce que Catherine, elle avait sûrement des choses à faire qui ne regardent pas. Ah ouais, autrement dit, Jean-Daniel, occupe-toi de tes affaires. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes très attaché à Catherine. Ouais, évidemment, hein. Et pourquoi vous me dites ça? Parce que je sais qu'elle peut compter sur vous. Il est pas arrivé des misères à Catherine, des fois, non? Il est pas revenu, l'autre fada. Ah non, celui-là, vous le reverrez plus. Ah, tant mieux. Et c'est au programme, les bandes dessinées, cette année? Non, non. Mais c'est très instructif. M'asseoir. Il y a longtemps que je suis pas venu là. C'est votre domaine à toi et Jérôme. T'as pas le droit de venir. Et Françoise non plus. Dis-moi, je crois que j'ai fait une grosse bêtise sans le vouloir. Et que t'es un peu fâché avec ton ami à cause de moi. Comment je peux faire pour rattraper ça? Tout est arrangé maintenant. C'est vrai? Tu me racontes pas d'histoire? Non. Quand Jérôme rentrera, il sera plus fâché. Je m'en mêle pas, alors. On va faire un tour, toi et moi? Tu m'en veux beaucoup? Non, mais je viens de voir de France à finir.
Et ensuite, j'irai le porter à Monsieur Novak et faire un tour de vélo. Je peux? Bien sûr, oui. Papa, tu vas aller au pic aujourd'hui? Pas aujourd'hui, non. Je vais rester un petit peu avec Françoise. Elle se fait du souci, tu sais. Est-ce que tu vas partir au Brésil et nous laisser papa et moi? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas. Jérôme voudrait bien partir avec son papa et toi. Viens là. Je te quitterai jamais. Ni toi, ni ton papa. Et Jérôme non plus? Non plus. Sauf si tu veux pas de moi comme maman. Elle est morte, ma maman. Je sais. Mais tu peux être comme elle, si tu veux. Je t'aime bien. Et Jérôme, tu crois qu'il aime pas Walter? C'est pas pareil pour lui, parce que ça lui fait deux papas. Faudrait que son vrai père lui explique bien comme il faut. Oui, c'est lui. Je le reconnais pas. Bah, toi aussi, t'as dû changer, hein. C'est à lui, le garage? Je sais pas, moi. Allez, vas-y. Je reviens tout à l'heure, moi, je vais faire un tour. Salut. Bah, t'as drôlement grandi, dis donc, hein. Puis, regarde-moi, je perds mes cheveux. Tu m'embrasses? C'est à toi, le garage? Ouais, c'est là que je travaille maintenant. Tu vois, comme ça, on sera voisins. C'est bien, non? Allez, viens, je vais te faire visiter. Je vais te retaper moi-même, hein. Bah, viens, si tu veux, tu peux monter dessus. Il monte jusqu'à 2 mètres. T'as pas peur, non? À l'école, j'ai fait de l'escalade. Ah ouais? Dis donc, c'est vachement bien, hein. Moi, de mon temps, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Ouais, mais t'aurais aimé. Sans doute. Et après, t'aurais escaladé les plus hautes montagnes? Ça, j'en sais rien, hein. Mais t'as fait plein de choses pourtant bien plus dures. Moi, ce que j'aimais, c'était le spectacle. Les gens qui étaient là, qui applaudissaient, qui avaient peur pour moi aussi. Grimper, c'est un truc que tu fais tout seul, alors je sais pas si j'aurais aimé. Ceci dit, les mecs qui font ça, moi je leur tire mon chapeau, hein. Mais moi, je veux que ça brille. J'aurais bien aimé te voir faire des cascades. Je t'en montrerai, j'ai plein de cassettes vidéo. En vrai? Ça, c'est pas possible. J'en fais plus.
Je suis garagiste maintenant. Et tu fais des vidanges et des trucs comme ça? Bah ouais, bien sûr. Allez, viens, on va dans Rêve Mignon, on va manger une glace. D'accord? Allez. C'est qui le bébé? Ben, c'est une moitié de petit frère pour toi. T'es marié depuis quand? Ça va faire 3 ans. Mais tu sais, sur les cartes postales, il n'y a pas beaucoup de place pour raconter sa vie. T'aurais pu faire des lettres? T'as raison, c'est vrai. J'aurais dû. Elle s'est pas remariée, maman. Lui aussi un jour tu vas le laisser tomber? Si tu veux bien, et je comprendrai que tu ne sois pas d'accord, on peut essayer de devenir amis, toi et moi. J'ai pas été bien comme père, et je t'ai fait beaucoup de mal. Mais je crois que je peux faire beaucoup mieux maintenant. Et maman? Maman, elle a sa vie et moi aussi. Mais ça n'empêche pas qu'on t'aime tous les deux, très fort. Il s'appelle Boris. Allez, viens, je vais te le présenter. Coucou. Oh. Chez moi, j'en ai déjà un, frère. Et c'est bien mieux, on est du même âge. Et puis, il y a une autre femme aussi. Mais ça, c'est normal, tes parents sont séparés depuis plusieurs années. Moi, je me marierai jamais et je ferai pas de bébé non plus. Ça serait dommage. Mon père, il s'en fiche pas mal de moi. Il faut pas dire ça. Hein. Ton père, il a peut-être fait des erreurs. Alors après, il osait plus te donner de nouvelles. Et peut-être qu'il avait aussi envie que tu aies une nouvelle vie avec ta maman. Mais là, vous allez vous voir souvent. Il n'y a jamais trop tard pour se connaître. C'est pas bon, ta glace? Si, si. C'est où ma maison à moi? Ta maison à toi, c'est là où habitent ta maman et puis Walter et puis Thomas. Tu sais, il t'aime beaucoup, Walter, comme son fils. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est vos sous. Mes sous dans un petit paquet? J'ai acheté ça avec. Peut-être qu'ils voudront bien la reprendre au magasin, parce que vous aussi, vous en avez déjà une montre. Garde-la, va. Tu l'offriras à quelqu'un que tu aimes. Je sais que c'est pas toi qui m'as volé, hein? C'est moi qui ai demandé à Thomas de le faire. Et ça va durer longtemps, tous les deux, là, avec Thomas? Non, monsieur, je vous le jure. J'ai été méchant avec Thomas. Bah, vous êtes allé un petit peu trop loin, oui, ça c'est sûr. Dis-moi, j'ai lu votre BD hier soir, là, je peux te demander un truc? Oui. Bon, alors, le serment des Indiens, frères de sang, tout ça, j'ai compris. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épreuve? Ben, c'est un truc pour effacer le mensonge. Oui, ça veut dire que tu vas demander à Thomas de faire une grosse bêtise. Mais tu sais, ça, c'est une bande dessinée. Hein? Donc c'est une histoire qui a été inventée. Dans la vie, c'est pas du tout comme ça. Je lui ai dit hier que c'était plus la peine. Parole d'Indien? Oui. Je voudrais rentrer. Mais tu finis pas? Non, je veux rentrer tout de suite. Monsieur, vous pouvez donner son maître, c'est pour lui. C'est quoi, c'est une punition? Non. Et tu veux pas une grenadine? Qu'est-ce que c'est? Ouh, le courage.
passé? Il est où, Thomas? Je suis contente que tu aies vu ton père. Même si lui et moi on s'entend plus, je trouve ça bien que... Il est marié, il a un autre enfant. Il est où, Thomas? Je sais pas, il est parti jouer par là. Ah bon? Jérôme, je voudrais bien qu'on parle un petit peu tous les deux. Je peux pas, maman, je dois d'abord parler avec Thomas. Mais je suis bête, il est parti faire un tour à vélo. Ouh! Il a rien dit. Jérôme! Jérôme! Il y a un gosse qui m'a porté la rédaction pour vous. Je l'ai mis. Je fais les comptes depuis ce matin. J'ai des papiers partout. Ah! Je l'ai laissé sur le comptoir. Je me suis permis de la lire. Ben, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que vous voulez? On ne me changera plus. En attendant, c'est drôlement bien ficelé. Qu'est-ce qu'il en a dans la tête, ce minot? Il fallait y penser, escalader le pic. Qu'est-ce que vous dites? Ben oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il va pas inventer avec cette histoire d'épreuve, là? Comment qu'il met déjà? Attendez. Ah oui, je vais laver la honte. Oh, c'est pas vrai. Oum, papa. Oum, papa. Oum, papa. Oum, papa. Bonjour, bonhomme. Walter! Est-ce que Thomas est là? Ah non, il est parti faire un tour en vélo. Non, il est parti escalader le pic. Prenez votre équipement, on y va. Qu'est-ce que vous me racontez? Il sait même pas grimper le mur des petits. Françoise, où sont les garçons? Je sais pas, Jérôme est parti comme un fou pour attraper Thomas. Qu'est-ce qui se passe, Walter? On va chercher les enfants. Je vous rejoins en voiture. C'est papa. Faut essayer de descendre. Tu m'entends? Il n'y arrivera pas, il a le vertige. Papa! Bouge pas, je viens te chercher. Surez-vous, Walter. Je suis là, Thomas, juste derrière toi. Regarde pas en bas. Descends juste un peu ta jambe droite. Maman, c'est de ma faute, c'est à cause de moi. Cœur, ça va. Faut juste faire ce que je te dis. Descends juste un peu ta jambe droite. Il y a une bonne prise, tu vas la sentir avec ton pied. Prends appui dessus. Je peux pas, je vais glisser. Non, non. Tu vas mettre ta main
Ton pied juste à ta droite. Vas-y, doucement. Ça va aller, va. Allez, essaye encore. Thomas. Ça va? Thomas. Hein? T'as mal quelque part? Aux jambes, au dos? Non, c'est rien, ça. Tu t'es un peu assommé en tombant, c'est rien. T'as vu? Je l'ai fait, j'ai réussi. T'es le plus fort, Thomas. Comment ça va? Bien, vraiment. J'ai ma première échographie mercredi. Tu sais quoi? Si c'est un garçon, je l'appellerai Victor. Qu'est-ce que t'en penses? Sauvé par le gong. Sinon, t'aurais vu que j'étais très ému et très fier. Mais tu sais, Jean-Daniel, c'est un très bon deuxième prénom. Hein. Oui. Ça va pas, il manque quelqu'un pour la danse de la pluie. Ah ben c'est grave ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être demander à un élève de la classe de Madame Aguilar, non? Ah non alors, ils sont trop petits. C'est un grand qu'il me faut. C'est écrit là. Tiens, lis-le, Paul. Le sorcier, l'homme le plus fort de la tribu, s'avance au milieu du cercle et commence à tourner sur lui-même. Ah non, non. Ah non, 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 pas moi. Ben si. Non, 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 non. Si, pourquoi? Parce que je suis pas un indien, je suis un cow-boy. Moi, je m'en vais toujours à la fin de l'histoire. Mais vous avez même pas de cheval? Mais j'ai une moto, c'est pareil. Oui, mais là, c'est pas une histoire, c'est pour du vrai. Mais tout le monde verra bien que je suis pas un sorcier. On a même fabriqué un masque. Il est horrible. Personne vous reconnaîtra. Il est pas mal. Bon, allez, c'est d'accord, va. Mais avant, je voudrais vous dire un truc... que m'a inspiré cette bande dessinée, cette BD. Vous avez vu ce qui est écrit en haut de notre école? C'est marqué « Liberté, égalité, fraternité ». Qu'est-ce que c'est la fraternité? Frère. Frère, voilà. Alors, moi je préfère les frères de cœur aux frères de sang. Parce qu'il n'y a pas de serment. Frère de cœur, c'est une promesse. Vous, vous êtes une promesse. Les enfants, c'est une promesse à la vie. Alors que les serments, ben, on peut en faire ce qu'on veut. Alors frère de cœur ou frère de sang? Oui, bah ça tombe bien, parce que s'il chante, il va pleuvoir. Je le mets, le masque, alors? Oui! Alors, allez-y! Oh, le masque, il s'en va. Ton père, il est monté comme ça, juste avec les mains. Et sans harnais, un vrai indien. Oh, tu sais, ton père pourrait le faire aussi. Ouais, c'est sûr, enfin, avant, parce que maintenant, il a pris un peu de bide. Il est comme sur les photos? Ben, maintenant, il va être garagiste. Ah ouais, comme ça, il pourra trafiquer ta mob quand on aura une. La tienne aussi, alors. Tu vas pas partir? Ben non. Mes enfants, le dessert est servi! Qu'est-ce que vous mijotez encore, tous les deux? Ben, c'est une surprise. Surprise pour quand? Ben, pour maintenant. C'est de la part de Thomas et moi. Ben, ouvre. C'est de la folie, elle est magnifique. Mais ça coûte une fortune, ce genre de montre. Où vous avez trouvé tout cet argent, vous, hein? Ah, moi, je sais que les deux tirelires, ils sont passés. Hein. Et puis, c'est Monsieur Novak qui a mis au bout. J'ai mis au bout, c'est ça, ouais. Oui, j'ai mis au bout. Thank you.